En Champagne, on produit 7 cépages différents, mais 99% de la production, c'est du chardonnay, du pinot noir et du pinot meunier. Donc bien évidemment, 3 sortes de raisins différentes. Le chardonnay, c'est un raisin blanc à jus blanc. Le pinot noir et le pinot meunier, ce sont des raisins noirs, cette fois-ci à jus blanc. L'ensemble de ces raisins sont produits dans les 320 crus, 320 villages de l'appellation Champagne. Donc pour le Brut Royal, notre champagne classique de la maison, ce sera 30 mois de vieillissement. Pour tout ce qui est champagne millésimé, on part sur 7 ans de vieillissement en bouteille. Et pour le Clos Pompadour et la Cuvée Louise, qui sont nos deux bouteilles les plus prestigieuses, nos deux cuvées les plus prestigieuses, on part sur 12 ans de vieillissement en cave. Bien évidemment, toutes ces mesures correspondent uniquement à la taille standard de la bouteille. Et plus la bouteille est grande, plus on rallonge le temps de vieillissement. C'est 7 barres de pression. 7 barres de pression, c'est 3 fois plus que dans un pneu de voiture ou globalement c'est un pneu de camion. De temps en temps, ça explose. Donc forcément, quand il y a des explosions, le plastique va venir retenir l'effort produit par cette explosion et éviter que le reste du tas ne soit contaminé. Du temps de la veuve Pommerie, on avait 40% de la production qui explosait en cave, puisque les verres étaient beaucoup moins épais et donc les ouvriers se protégeaient avec des masques. Aujourd'hui, on a moins de 5% de la production qui explose en cave.